Salut les amis! Enfin, une vidéo où on va être sur le bord de l'eau. Vous allez voir ça dans quelques minutes. Je vous retiens un petit 30 secondes pour vous dire qu'à la fin de la vidéo, il va y avoir une section pour le jeu concours que je vais faire pour les 1000 abonnés. Alors, c'est le premier jeu concours que je fais sur ma chaîne. J'en ai jamais fait. J'ai des suggestions à faire pour les lots, les prix à gagner. Alors, je vais vous dire tout ça à la fin de la vidéo pour que vous puissiez me donner votre avis dans les commentaires. Alors, on se revoit dans quelques minutes. Bon visionnement. Salut tout le monde! Alors, c'est l'ouverture de la truite aujourd'hui. J'ai pas filmé l'ouverture de la truite depuis quelques années. J'ai... une petite fin d'après-midi, après le travail, j'étais pas loin de la rivière du Mort. Alors j'ai décidé de venir faire un tour ici. Alors là, c'est le son bas là. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, alors ce sera pas super évident, c'est pour ça que je cherche des endroits un peu à l'abri, parce que le vent est très fort, et ici c'est très vaseux. Alors, voir, je peux le poigner un spot, il y a de l'allure. Alors, comme vous voyez, j'ai mon petit sac. Mon petit sac. Mes choses dedans. Ma petite canne à pêche. Light. Beaucoup de vent. Il y a énormément de branchages et tout ce qu'on veut. Thank you.
Bref. En général, les spots comme ça, il y a un retour de courant. Là, on a un rang de tourbillon. Normalement, c'est des bons spots de pêche. Sauf que là, en date, l'eau est à peine fondue en ce moment. Il y a une marmotte juste là. Oh, quel est ce oiseau sur ma canne à pêche? Hey, comme à Amos. Des petits oiseaux sur ma canne. Okay. Il peut pleurer sur ma canne. Hey, t'as les tipettes. Il peut pas pleurer. Ça, toi. Bon, vous laissez les bébés. Bye bye. Alors, comme vous avez pu voir, pas de poisson dans les 2 heures que j'ai pu pêcher. Par contre, j'ai fait des belles rencontres.
des beaux oiseaux, des petits oiseaux, une marmotte. Alors, la nature, aller dans la nature, c'est toujours intéressant. C'est pas seulement de prendre du poisson qui est intéressant. Souvent, c'est de faire des rencontres avec des humains aussi, là. Souvent, on peut aller à la pêche avec d'autres, mais souvent, dans la nature, on voit tellement des belles choses, ça peut quand même nous faire des belles sorties, même si on ne prend pas de poisson, ce qui est le cas régulièrement. Je voulais vous parler du jeu concours maintenant pour mes 1000 abonnés, ce qui s'en vient assez rapidement. Alors, je vais faire une vidéo consacrée à ça pour le jeu concours dans une couple de semaines. Par contre, je voudrais avoir votre avis sur les prix. Alors, j'ai deux choix. Soit je fais un peu comme tout le monde, je fais des lots d'accessoires de pêche, puis que je fais tirer 3-4 lots d'accessoires de pêche, ou je peux faire ça. Et aussi, je pensais à faire une journée, à offrir une journée guidée de pêche, probablement sur la rivière des Mille-Îles ou sur un autre endroit qui pourrait être possible aussi. Alors, une journée guidée de pêche, guidée par moi nécessairement. Je ne suis pas un guide professionnel du tout, mais vous amenez pêcher avec moi, soit avec votre propre embarcation, votre kayak, on parle en kayak là, ou en canot. Alors, soit avec votre propre embarcation. Puis moi, avec la mienne, ou si vous n'avez pas d'embarcation, je peux vous fournir tout ce que vous avez besoin, puis je peux vous fournir tous les accessoires de pêche aussi. Voir plus de détails, mais ça serait en gros un prix. Le deuxième prix, comme vous savez, je suis technicien Zamboni, je répare les surfaceuses à glace, et je suis technicien responsable dans les matchs du Canadien pour les Zamboni. Ce qui me donne le privilège d'amener quelqu'un au hockey voir un match du Canadien. J'ai un billet de saison pour amener quelqu'un. Un billet. Alors, pour une personne. Alors, vous avez l'entrée backstage, dans le fond. Mais souvent l'occasion de voir l'échauffement et ou les vestiaires de l'équipe adverse. Puis on passe où ce qui sont les Zambonis. C'est une place quatrième rangée, proche de la bande, où ce qu'est la sortie de Zamboni. C'est des billets qui valent entre 300 et 400 $. Alors, c'est un beau prix. Si ça vous intéresse, ça pourrait être un deuxième prix. Alors, ces deux prix qui pourraient être très intéressants. On s'entend que le hockey, ça n'a aucun rapport avec la pêche. Par contre, il y a beaucoup d'amateurs de hockey qui aiment la pêche et beaucoup d'amateurs de pêche qui aiment le hockey. Alors, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Je sais que ça n'a pas rapport, mais c'est quelque chose que je peux vous offrir qui me ferait plaisir. Des fois, même, ça peut être votre jeune, ça peut être des fois votre petit gars là, qui a 15 ans, 14 ans. Et aller au hockey, il n'y aura jamais le moyen, il ne pourra jamais y aller ou ça coûte très cher aller au hockey. Ce serait une bonne occasion. Ça, ben, nécessairement, c'est des dates à fixer puis tout ça. Alors, ça pourrait être un deuxième prix. Je ne donne pas trop de détails, mais le premier prix, une journée de guidage. Le deuxième prix, un match de hockey du Canadien avec moi. Alors, pour une personne, puis ça pourrait être quelque chose de très intéressant que vous ne vivrez pas une autre fois dans votre vie, là, parce que c'est différent qu'un match qu'on rentre par la billetterie aussi, là. Alors, j'amène souvent des gens avec moi, puis ils sont toujours contents. Alors, ça serait une deuxième option. La troisième option, ben, des prix d'accessoires de pêche. Alors, ça, je vais sûrement en offrir. Alors, ça va être aussi offert dans mon jeu concours. Alors, c'est quand même des beaux prix que je peux offrir. Ça me fait plaisir vraiment parce que 1000 abonnés, ça fait quand même 5 ans au moins ma chaîne qu'elle existe. Alors, les abonnés, on les a gagnés un par un. J'ai plus que 150 vidéos sur ma chaîne. Alors, ça n'a pas été. Je ne visais pas non plus de faire des vidéos là, pour accrocher du monde puis tout ça. J'étais vraiment dans le but d'enseigner puis de montrer des techniques de pêche. Puis pour les jeunes, beaucoup, j'aime ça. Je rencontre beaucoup de jeunes sur le bord de l'eau. Souvent, je leur donne des leurres. On jase, tu sais, c'est quelque chose que j'adore de pouvoir partager ce que je sais avec les autres. Alors aussi, dans les commentaires, jaser avec le monde, je me suis fait des amis sur YouTube aussi. Alors c'est quelque chose que je trouve très important en outre d'aller à la pêche. Alors, dans les commentaires sous la vidéo, je vous demande votre avis. Quels sont les prix que vous préféreriez avoir? Parce que je veux voir aussi s'il y a un intérêt, là, tu sais. Si personne n'est intéressé d'aller au hockey, je ne mettrai pas ça dans les prix. Mais les prix, le premier prix qui serait une journée guidée de pêche, un autre prix qui serait
d'aller au hockey avec moi pour une personne backstage. Et un autre prix qui serait les leurres de pêche, les accessoires de pêche. Alors, on va aller plus dans les détails quand on va être rendu à la vidéo du jeu concours. Alors, je vais vous donner en détail. Ça va aller un petit peu avec les réponses que vous allez m'avoir données à la fin de cette vidéo-là. Je vais voir les intérêts. Je vais vraiment m'axer sur les réponses que je vais avoir reçues parce que le but de tout ça, c'est de vous faire plaisir. Alors, de me faire plaisir aussi si vous êtes en ma compagnie, mais de vous faire plaisir, de pouvoir vous faire vivre un bon moment. Alors, je vous invite à faire un commentaire sous la vidéo. Écrivez-moi guide de pêche, hockey, accessoires de pêche dans votre commentaire. Juste histoire que je sache que je puisse faire un décompte un peu de ce qui vous intéresse. Alors, je vous invite à mettre le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, même s'il n'y a pas eu de poisson. Et j'en fais pas souvent les vidéos qui n'y a pas de poisson, mais c'est arrivé une ou deux fois. Puis on se revoit la semaine prochaine.